Au Moyen-Orient, chez les musulmans, des conflits internes débutent au 7e siècle. Dans l'ancien monde occidental chrétien, le pouvoir temporel royal prend l'avantage sur le pouvoir spirituel de l'Église et s'en empare au 14e siècle. À la Renaissance, la science remet en cause la position centrale de la Terre et celle du Dieu chrétien. Les priorités de la vision divine du monde s'effacent devant celles de la représentation humaine. Au XVIe siècle, de nouveaux courants chrétiens voient le jour, et la compétition des guerres de religion s'engage grave. Le pouvoir sacré devient peu à peu l'alibi du pouvoir profane. Mais si les valeurs morales du sacré survivent néanmoins de manière visible ou souterraine, celles dictées par la logique économique gagnent graduellement du terrain. La révolution industrielle du 19e siècle, génératrice d'importants progrès matériels et de crises humaines ou économiques, relègue encore un peu plus loin les valeurs archaïques du sacré. Elle idéalise le pouvoir de l'individu sur ses congénères et sur son environnement.